C'est la rouge. C'est la rouge. Bon, évidemment, comme tu peux l'entendre, ça part en cacahuète. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est à Beveren pour le gros match, le derby en Flandre entre Beveren et Lokeren. Alors on est en retard, on est légèrement en retard. Il y a eu un problème sur la route. Bon, on est avec Mathéo. Mathéo, ça va, bonjour. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va, tranquille, en forme. Hein, voilà, bon, on se dépêche parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc on se retrouve une fois qu'on arrive au Frétil, hein, ouais, au stadium. Adrien, très très bien, très content d'être là pour un derby qu'on veut suivre depuis très longtemps, mais qui n'a plus lieu depuis 2018. Enfin, c'était un club qui était plus haut, une fois que c'était un club qui était plus bas, puis il y a eu faillite, etc. Voilà, maintenant le derby a bien lieu. On arrive en retard, certes, évidemment, mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, on se retrouve quand on arrive au stadium. C'est parti, à tout de suite. Bon, ça y est, nous voilà installés donc dans ce stade de Beveren, au Frétil. Voilà, on était déjà venu une fois avec Adri, il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps qu'on était venu. Je crois que c'était en plein hiver même. Bon, évidemment, le stade est full, hein. Le stade est blindé de chez blindé. Et c'est clairement une autre ambiance que la dernière fois qu'on l'a vu. Sincèrement. Alors, évidemment, Beveren Lokeren, pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Ça, c'est la question, ça. Pourquoi est-ce qu'on est venu voir ce match? Ben, en fait, à savoir que c'est un gros derby, Adri. Ouais, du côté ici, dans le pays de Oise, du côté du pays de Oise, c'est un derby énorme entre deux clubs qui n'avaient plus lieu d'avoir ce derby depuis 6 ans, plus ou moins. 2019, je pense, avec la descente, la relégation. Ouais. La relégation administrative de Lokeren, donc voilà, avec un premier match très très compliqué de Lokeren, et Beveren qui pousse avec son cop, c'est une ambiance de folie dans ce stade. Il faut savoir que donc c'est deux clubs qui se détestent. Hein. Ouais, ils se détestent et on avait déjà pu. Non, mais... 25 km, ouais, ils sont situés à 20-25 km. On avait pu le constater qu'on avait été à Lokeren il y a 2-3 semaines, là, il y a un petit mois, bah, justement, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a peut-être un mois, ouais, où ça parlait déjà de ce match aussi. Hein. Comme quoi. Quand on était la dernière fois à Lokeren, ben, on entendait déjà les chants anti-Beveren, alors même que le club ne jouait pas contre Beveren. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu la rivalité entre ces deux équipes. Alors qu'on a perdu Adri qui est parti chercher à boire et qui n'est pas revenu. Ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Attends. Ouais, quoi. Il est là, mon vieux. Hey, t'étais perdu ou quoi? Du monde. C'est du Miranda. C'est du Miranda. Alors, deux choses à mentionner qu'on n'a pas encore mentionné. En début de match, il y avait un tifo que j'ai loupé, mais que je vous mets maintenant, qui a été filmé par notre ami Gerge Compagnie. Donc, je vous invite à aller vous abonner. Je mets son lien dans la description de la vidéo. Principalement Instagram, Facebook, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, merci à lui. Et secondo, Adri, au classement. Beveren est bien. Lokeren est avant-dernier. Et Lokeren est avant-dernier ou dernier? Avant-dernier. C'est un coup franc, on va quand même, on est à la 47ème minute, ça va être à mi-temps. Bon, pour l'instant, évidemment, dans ce premier mi-temps, il s'est rien passé, hein. Donc Adri... Un derby. Un derby, voilà. Un derby. Le genre de match où tout le monde s'attend à plein de choses. Et ça serait. Oh, les belles, grosse occasion juste avant la mi-temps. Alors, on venait de dire qu'il se passe rien, mais à chaque fois c'est la même chose. Hein. Mi-temps, bon, pour l'instant rien de spécial. On verra s'il se passe quelque chose en deuxième mi-temps. Non, mais pour l'instant, je pense que ça va s'arrêter. Relativement calme. Ouais, la deuxième mi-temps sera plus animée. Alors que cette deuxième mi-temps en reprise avec un petit claquage côté Beveronois. Beveronois, je ne sais pas du tout. Voilà. Côté Beveron, en tout cas, petit craquage sympathique. Voilà pour cette deuxième mi-temps qui reprend. Ouh. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. D'office. C'est goal pour Lokeren. Évidemment, évidemment, ça risque de partir en couille maintenant. Ouais, ça va l'équiver. En plus, le joueur de Lokeren a été célébré par le supporter adverse. Ouais. Le joueur de Lokeren qui a été célébré. Le club de Lokeren est en train d'équiver le supporter adverse. Voilà, maintenant ça va devenir intéressant. Non, le match maintenant, va devenir intéressant. Et belle. Oh. Boum. Oh.
Bon, ça y est, le match est lancé. Le match est lancé, ça s'anime là. Question pour les internautes, selon vous, vous répondez en commentaire évidemment. Quel est le plus gros club des deux, Lokeren ou Beveren? Merci les gars. Je sais pas. C'est la rouge. Ça y est, c'est la carte rouge comme annoncé par Mathéo avant la mi-temps. C'est la rouge, Mathéo, tu l'as dit. Hein, il l'avait dit, Mathéo. Le pronostic de Mathéo, il est bon, c'est rouge. Bon. Et franchement, ça m'étonnerait que les deux équipes terminent à 10. Ouais, terminent à 11. C'est le petit pronostic de Mathéo, ça va pas finir à 10. Ça va pas finir à 10. Ouais, il l'avait dit, voilà. Un derby sans carte rouge, c'est pas un derby. Oh là 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 là. Bon, alors que ça s'échauffe, hein, ça s'échauffe vraiment. L'arbitre qui. Ouais. Ouais, l'arbitre, je sais pas. Je sais pas s'il prend la bonne décision, mais non, en tout cas... je sais pas s'il prend la bonne décision, mais bon. En tout cas, ça va venir le match. Yeah. Oh là 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 là. Quelque chose. Ah, ouais, oui. Plus que 3 minutes dans ce derby. Bon, clairement, je vois vraiment pas Beveren marquer, mais bon, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Alors que les supporters de Lokeren, ben, sont chauds. Ils sont ultra chauds. J'essaye de vous les filmer, mais il y a le soleil juste derrière, donc ouais, Beveren, c'est très froid, très calme comme Beveren. Beveren, ça s'est calmé, là, clairement. On arrive à la fin de ce match, l'arbitre va siffler, c'est la dernière occasion. C'est la dernière occasion pour Beveren, la dernière occasion. Si c'est foutu, ben c'est foutu. Là, là. Oh, ah, c'est terminé. C'est fini. Là, il s'élève. Ah, ouais. Bon, évidemment, comme tu peux l'entendre, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Hein. Oh, les supporters de Lokeren qui chantent ceux de Beveren sont vraiment séparés que par d'une barrière avec les flics entre les deux. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud, genre de derby. C'est ça qu'on aime. Hein, c'est ça qu'on aime au final. Hein, vidéo. Hey, voilà. Franchement, un derby plus 6 ans, tu le gagnes comme ça alors que tu es censé être à la moins bonne des deux équipes. ça sent comme quoi le derby est quand même chaud jusqu'à la fin. On ne sentait pas forcément à la fin sur le terrain, mais dans les tribunes. Ouais. Et maintenant, à la fin de ce match, avec la petite dispute qu'il y a eu. Tu sens comme quoi le derby était quand même très important. Et ouais, ce derby qui a été remporté donc par Lokeren. C'est beau. On va conclure ici sur ces belles paroles. Adrien, voilà, chaud derby. Un très chaud derby, maintenant plus par la qualité, par ce qui se passe dans les tribunes, plutôt que la qualité footballistique qui n'était pas très, très élevée. Un petit match, on va dire, un petit match, un derby. L'équipe qui avait le plus envie à gagner le match. Et voilà, c'est Lokeren qui est dernier. Qui prend les 3 points. Mathéo, j'espère que t'as passé un bon match quand même. J'ai passé un excellent match. C'est bien amusé. Ouais. C'est chouette. Ouais. C'est un derby que je voulais vraiment vous montrer. Donc voilà. On a essayé de faire le maximum. On était mal mis. Il y avait du soleil. Il y a rien qui allait. Mais bon voilà. On a quand même sorti une vidéo. On ira du côté du Tottenham pour faire l'inverse. Et on essaiera d'arriver à l'heure. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. On ira en Servette dans 2 semaines. À la prochaine. Salut les gars. Ciao. Salut.